Tyrone le Noir. Wow. OMG, dans la place, in the building, is it okay? And the Zenix, my girl, Lady Graf. Vous avez fait la pire sélection de 2021 en réunissant Zenix, OMG et Ina autour d'un seul podcast. C'est la pire des sélections qui soit faite en cette année. Non, c'est la meilleure. Il n'y a que des folles autour de cette table-là. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais... Quand j'ai vu qu'il y avait des drôles de gens qui avaient des sprays, je ne savais pas ce que c'était. Je me disais, comment est-ce qu'une bouteille de parfum pouvait pulvériser de la peinture, tu vois? Je me disais ça. Et après, j'ai voulu apprendre. C'est comme ça qu'on m'a dit que je pouvais aller à Africulture Urbaine, parce qu'il y avait Grafix qui était le graffeur à Africulture Urbaine, qui habitait aussi Tcharoy, parce que je suis née et j'ai grandi à Tcharoy. Donc je suis allée à Africulture Urbaine, ça c'était vers la fin des années 2007, début 2008. Et hop, c'est comme ça que ça a commencé. Je suis allée, j'ai été accueillie, adoptée et j'ai commencé à faire du graff. Et c'est comme ça que Zenix est née. Donc ça n'a pas été évident, mon parcours, parce que voilà, beaucoup ne comprenaient pas, surtout ma maman, qui ne comprenait pas de voir sa fille revenir de l'école avec des habits tachés de peinture, quoi. Mais qu'est-ce que tu fais, Zena? Je dis, mais je fais du graffiti. Une fille qui va faire de la peinture sur les murs, dans les rues, c'était, voilà... Parce qu'on peut comprendre ça parce que ce n'est pas habituel. C'est nouveau. On comprend que les gens, ils ont peur parfois du nouveau. Parce que l'inconnu peut faire peur. Tu as été très tôt soutenue par tes confrères, je veux dire. Parce que peut-être qu'il y a une différence entre peut-être graffiti et akrabi, tu vois. Aujourd'hui, si toi, tu as été soutenue, tu as été peut-être un tout petit peu chouchoutée, je veux dire, c'est pas la même chose dans le rap, au fait, tu vois. Donc, Taichi Rabbi, moi, personnellement, j'ai commencé en 2013, donc New Tambali, c'était pas évident au début. Parce que déjà, à un moment où il n'y avait pas énormément de filles, je pense qu'il n'y en avait que deux ou trois, New Finekon dans le rap. Et beaucoup de bir yomboulouon, déjà. L'issue de Gunon Metimoy, il n'y a que reconnaissance, puis. Il n'y a que reconnaissance, binek tibir. Donc tu travailles, mais quand même, c'est jamais assez bien pour eux. C'est jamais assez à la hauteur. Donc il faut toujours te donner à fond, à 100%. Tu te donnes à 200%, mais c'est jamais bien. Et je me dis, parce que peut-être tu es une femme, parce qu'ils se disent que tu es coachée, il y a des hommes derrière toi. Et c'est quelque chose pour Nyom, dans leur tête, non, une femme ne peut pas rapper aussi bien. Moi, j'ai l'habitude de dire aux jeunes que... Ne laissez pas les autres choisir à votre place ce que vous aimeriez faire demain comme métier. Et puis moi, en fait, quand je donne un cours de photo à des jeunes, ce que je leur dis, c'est que vos appareils, vous mettez la série sur Google, ils vous donnent le menu de comment utiliser ton appareil. Je ne donne pas des cours de choses techniques. Ce que je fais, c'est stimuler ce truc-là que chacun d'entre vous a et qu'on peut mettre dans sur nos photos qu'on parce que pour man nit ku nek amna lo xam yalla yow la ko may mayu ko kenen donc affaire bobu nonu nga am yow kessé mom ngay transposer ci ces images et lolu moy indi authenticité donc pour il y a pas d'idée folle ou waruma def li ou quoi que ce soit man en tout cas un jeune qui veut faire de la photo ou de la vidéo c'est ce que je lui dis pour éviter tout ce qui est copie coller tout ça li mo xew tanas li lay def non transpose li nga am li nga gëm li nga xam yow c'est toi nga transposer ko ci image lolu moy authenticité.